Bonjour, bienvenue dans l'univers merveilleux du Kamishibai. Je suis Henri et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Madeleine la baleine et du petit Rémora. Madeleine est une vieille baleine solitaire qui erre seule dans l'océan. Elle se laisse porter au gré des courants. Mais il faut bien l'avouer, sa vie est triste et monotone. Quand un jour, nageant au beau milieu des eaux chaudes, la baleine sent une drôle de présence. Elle tourne, 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 mais ne voit personne à l'horizon. Pourtant, « Y a quelqu'un ?» demande-t-elle alors. « Non, y a personne !» rit une petite voix. « Te moquerais-tu de moi ?» dit Madeleine en prenant une voix grave. Un tout petit Rémora montre alors le bout de ses écailles. « Je t'ai fait une bonne blague, non » sourit-il. Mais la baleine n'est pas vraiment de cet avis. « J'ai failli avoir un torticolis. Allez, va-t'en et laisse-moi tranquille. »« Pourquoi ne veut-elle pas jouer avec moi ?» se demande le poisson. D'ordinaire, on apprécie sa compagnie. Déçu, Thomas, le petit Rémora, regarde la baleine s'éloigner. Quand il aperçoit un tas de parasites grouillant sur le dos du cétacé. N'y résistant pas, Thomas se jette sur la bosse de l'animal. Pas question de laisser filer un tel festin. Que se passe-t-il en tort ? Dit la baleine en gigotant. C'est qu'accroché sur son dos, le Rémora la chatouille et la bisouille. Foi de baleine, la vieille grincheuse a du mal à l'admettre, mais ce n'est pas désagréable. Sauf pour son amour propre, pour qui se prend-il ? Madeleine l'envoie donc promener sans ménagement. Rejeté, Thomas la suit de loin, mais ne peut s'empêcher, chaque jour, de venir, en douce, grignoter et nettoyer la pelisse de la baleine. Madeleine sourit en faisant mine de ne pas sentir les bisous du Rémora. Chaque jour, Thomas reste un peu plus longtemps. Et un matin, la baleine finit par lui demander. « Au fait, comment t'appelles-tu ? » « Moi, c'est Thomas. Et toi ? Parce que j'ai entendu plein de drôles de noms. »« Ah bon ?» dit la baleine intriguée. « Je m'appelle Madeleine. » « Oh, c'est plus joli que... » Vexée des surnoms qu'on lui a donnés, la baleine se fâche tant que Thomas quitte la baleine sur le champ. Mais très vite, le cétacé s'en veut de s'être emporté. Thomas n'y est pour rien, et puis, elle les a peut-être mérités, ces surnoms ridicules. C'est vrai qu'elle est souvent grincheuse et bougonne. « Thomas ! Thomas ! » appelle la baleine. « Je suis désolé !» Mais trop tard, son ami est bel et bien parti. Rongé par le remords,
Elles partent alors à sa recherche. Elle arpente chaque recoin de la mer sans trouver trace de son ami. Où est Thomas? Elle ne sait pas. La voilà qui erre de nouveau, seule et malheureuse, au milieu de l'océan. Quelques jours plus tard, un courant chaud vient glisser sur la peau lisse de Madeleine. Elle n'ose y croire. Serait-ce Thomas? Oui, c'est lui. Tu es revenu, dit la baleine ravie. Je t'ai manqué, demande le poisson en grimaçant. En guise d'aveu, la baleine esquisse un large sourire. Oui, quelle joie d'avoir retrouvé son ami. Depuis ce jour, Madeleine et Thomas sont inséparables. La vieille baleine est beaucoup moins grincheuse et le petit Rémora n'en est pas moins malicieux. Comme quoi dans la vie, avoir un ami, ça suffit pour être heureux. Et voilà. À bientôt pour une nouvelle histoire Kamishibai.